tout d'abord, je vais commencer par ce petit mur. Donc c'est un petit mur où il y a quelques petites illustrations que j'ai mises et que j'aime beaucoup. Ça a vraiment mélangé un petit peu. Donc là, vous avez du Benjamin Lacombe. Là, ce sont des cartes de Valence, d'Allemagne, Berlin et Séoul. Enfin, c'est des pays où je suis allée dans ces pays. Ouais, j'ai visité ces pays-là. Ensuite, là, c'est voilà, des petites cartes faites par des manga art. Donc, il y a Nashi. Il y a là, c'est Wistful. Là, c'était un abonné qui me l'a fait. Parce qu'en fait, je lui avais envoyé une Neon Box. Ça ne m'intéressait pas. C'était Pokémon. Et en fait, il m'avait fait ça. J'ai trouvé ça trop beau, donc voilà. Ensuite là vous avez Nashi, là Neko Marion et voilà quelques cartes. Là c'est un petit souvenir de Séoul. Et puis là c'est un petit truc de K-pop, EXO, etc. Alors bien sûr ici, là c'est ma bibliothèque principale. Donc vous avez des livres VO, des livres en anglais, des livres en français bien sûr, hein. Un peu de tout, franchement c'est voilà, parce que moi j'ai un peu des goûts, des goûts on va dire éclectiques, voilà. Vous avez de la fantasy, vous avez de la romance, vous avez du young adulte, vous avez du jeunesse, vous avez de la romance, je vous ai dit, new adulte, vous avez un peu de tout, voilà. Et jusqu'à en bas, et puis là vous avez du contemporain, etc, etc. Bon là je vais pas m'attarder là dessus mais plus sur les petits trucs genre là, voilà, sur les petites figurines. Donc là vous avez toutes les pop de la collection Sailor Moon. Bon par contre j'ai pas celle de Sailor Venus parce que c'est celle qui m'intéresse le moins, on va dire, mais voilà, en gros il y a ça. Ensuite là vous avez une petite peluche DQ. Là, une petite tasse, c'est leur moule. Là, un petit truc, là, Pokémon. Je ne suis pas trop Pokémon, mais je trouve ça trop joli. Surtout, en fait, pour... je le laisse là. Pour les trucs de sauce de soja, etc, etc. Là-haut, vous avez les Sailor Moon, enfin, la version... D'habitude, je ne les garde pas, les boîtes. Mais là, vu que c'est exclusif et tout, et que je les trouve juste magnifiques, donc je les ai laissées en boîte. Voilà, ensuite derrière vous avez toujours des trucs, bon on va pas s'attarder là-dessus. Ensuite là vous avez beaucoup de mangas en fait grand format. Et c'est beaucoup plus du seinen. Voilà. Donc vous pouvez voir un petit peu les titres qu'il y a. J'ai essayé de les mettre là mais bon avec les autres seinen que j'ai, j'aurais plus de place en fait. Donc voilà, je trouve un petit moyen pour ranger tout ça, mais bon on verra bien. Ensuite là vous avez une petite peluche Kero, là vous avez une petite figurine, là Digimon, franchement c'était mon enfance, moi j'adorais Digimon par rapport à Pokémon, excusez-moi. Là vous avez une petite Nendoroid, là vous avez des petites Tsutsum, mais des personnages de Shonen Jump spécial 50 ans je crois, mes préférés, voilà, Bleach et Dragon Ball Z. Ensuite là vous avez une petite figurine, je crois que c'est d'un truc Idolmaster. Voilà, avec là vous avez c'est le personnage de Mathieu en français, Sakura. Là vous avez des petits badges en fait qui sont dedans. Voilà. Je laisse là en attendant parce que bon voilà. Ensuite là vous avez un petit je sais plus comment ça s'appelle ça encore. La One Piece et puis là une petite pancarte là pour l'année avec des personnages. En gros voilà pour ce qui est d'ici, ce qui est un petit peu asiatique et animé. Voilà. Franchement je pense que cette vidéo va durer longtemps donc voilà. Alors ensuite on va passer à ce qui vous intéresse le plus. Éteins le ventilateur. Je sens qu'il va faire hyper chaud, donc voilà. Alors là vous avez quelques petites figurines, donc des petits babioles, donc je vous laisse regarder, hein. Voilà, ensuite là en fait vous avez des livres VO, là c'est tous mes livres VO contemporains, fantastiques derrière, etc. Et en fait au dessus j'ai mis les pistes du gardien qui me manquent peut-être 3-4 tomes. Là vous avez la série complète de Ayanoshi no Cerès, les boîtes assez et toute la collection de Fushigi Yugi. Voilà. Alors ensuite
Là, ce sont les artbooks que j'ai. Ah oui, attendez, j'ai un artbook que je ne vous ai pas montré. En fait, là, c'est un petit peu un mélange de tout. Donc là, j'ai un artbook qui est là, de Moyoko Anno. Voilà. Et là, vous avez la l'intégrale de Paradise Kiss. Voilà. C'est un petit peu tout est mélangé parce que bon, j'ai plus vraiment la place. Donc voilà. Alors là, voilà les artbooks. Donc là, de Clamp. Donc je ferai des petits inserts à côté. Comme ça, vous allez voir un peu comment ils sont. Là, c'est l'artbook de Otian. Là, c'est un artbook de Viewfinder. Enfin voilà. Psychopass. Encore Otian, là c'est le spécial artbook 20 ans de Sailor Moon, oui bien sûr, de Cardcaptor Sakura. J'avais une petite histoire là de Indies World. Là, là vous avez Mirror de Rito Takarai. L'artbook là de Inyo Asano. Là de je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, Nekuta Yanezo. Là ensuite vous avez un autre artbook de Aya Sakio et un autre artbook de Psychopass. Voilà voilà. Je pense acheter une deuxième pour mettre à côté parce qu'en fait là franchement voilà, il y a le tome 11, le tome 12 et tout, j'ai plus de place pour mettre le reste. Donc là vous avez la série Gift que j'adore. Voilà, on passe au Komiku. Beaucoup de séries qui ont commencé et que je n'ai toujours pas fini, mais bon voilà. Là j'ai fait un petit côté Sailor Moon, donc j'aimerais bien en fait à côté mettre vraiment mais tous mes trucs Sailor Moon et tout. Parce que bon, voilà. Là, vous avez des petits seinen. Voilà, toujours des débuts de série à chaque fois, mais que je ne continue pas. Hein, voilà. Ensuite, là, vous avez Beastar Arte et The Anthem Magnus Bride. Voilà, comme ces deux-là, c'est des séries super, mais je sais pas ce que j'attends. Ensuite, là, vous avez plus du shoujo. Et là, vous avez les trucs de chez Akata. C'est les plus les jouets de chez Akata. Voilà. Alors maintenant, on va passer par. Alors. Donc là, j'ai mis mes séries préférées devant. Mais à un moment donné, il va falloir que je les enlève. Parce que j'ai d'autres séries qui sont dans ma palle. Il faut que je les range. Donc là, vous avez la première saison de Psychopass. La saison préquelle. Psychopass, donc c'est Inspecteur Shinya Kugami et la deuxième saison de Psychopass. Donc franchement la saison 1, la saison 2 c'est exactement exactement la même chose que l'anime. Le plus intéressant je trouve que c'est le Psychopass Inspecteur Shinya Kugami, ça se passe avant la saison 1, c'est super intéressant. Vous avez les Full Paradise, donc j'ai lu toute la série mais il faut que j'arrange comme d'habitude. Contamination aussi, le tome 3 je l'ai mais il faut que je le range, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas rangé. Un seinen, des seinen que j'ai beaucoup aimé. Moriarty, par contre j'ai lu que le premier tome
J'ai la suite dans ma palle aussi, mais bon, voilà. Vous avez Les Innocents, donc une super série historique que je vous recommande à fond. Donc il faut d'abord pour commencer par Innocents et ensuite Innocents Rouges. Ensuite là vous avez un manga seinen un peu plus grand, donc Tokyo Amour et Liberté, que j'ai beaucoup aimé. Alors ensuite là c'est des séries un peu plus récentes, donc là vous pouvez voir ce qu'il y a. Hein. Otaku Otaku, Bakemonogatari, Vampire of Course, La Voix du Tablier qui est super drôle. Ensuite là vous avez les Glina, donc le Den de Soki qui va se terminer en 3 tomes, Ballade Opéra et Tokyo Revenger que j'adore. Le 2e tome j'ai lu mais il faut que je le range. Ensuite là Dog N que j'ai vraiment beaucoup aimé, Granulier aussi, et Les Liens du Sang de Shuzo Shimi, j'adore. Moi j'adore. Ensuite là j'ai mis une petite nana d'Oroïde de couleur jaune. Vous allez voir que j'en ai de plusieurs couleurs. Et ça j'avais reçu ça dans la Neon Box. Je trouve ça trop stylé. Et en fait avec la chaleur, vous avez. Comme si c'était vraiment le jeu des dessins, voilà, qui apparaissent. Donc voilà, je vais vous montrer en fait ce qu'il y a derrière. Alors voilà ce qu'il y a derrière. Donc en fait c'est vraiment beaucoup de séries qui ne sont pas terminées, qui sont en cours. Comme vous avez pu remarquer, cette étagère c'est plus du seinen shonen. Donc voilà, alors nous avons Prison School. Franchement ça fait déjà peut-être 2-3 ans que le truc il est là, que j'adore pourtant, mais je continue pas. D-Tube, Seven Garden, Green Blood, le tome 4. D'ailleurs, j'ai lu le tome 4, mais je sais pas où il est. En fait, là, je j'ai fini la série. Ça se termine en 5 tomes. Je ne sais pas où j'ai mis ça encore. Voilà, vous voyez, vraiment un gros n'importe quoi. Donc ça aussi, The Last Hero in Yashiki, j'avais adoré le premier tome et j'ai pas continué encore. Donc bon, ça va être un peu tout. Ça va être un peu ça tout au long de la vidéo parce que ben, je commence les séries et puis bon, il y a des nouvelles séries qui arrivent et on n'a pas non plus tout le budget pour acheter tout ce qu'on veut, donc voilà. Donc par exemple, le Requiem du Roi des Roses, j'ai lu jusqu'au tome 8 là. Il faut que je les range et je sais pas comment je vais les ranger. Ensuite là, c'est une série en one shot, The Innocent, Gisèle Alain qui est juste super, The Bright Story qui est super aussi. Les Mémoires de Vanitas, j'ai lu les 4 premiers tomes. Ah, faut que je les range. Je sais pas où, mais faut que je les range. King of Eden, que j'ai adoré. La Reine d'Égypte, j'avais bien aimé, mais après, je sais pas si je vais continuer la série. À voir. Carnaval aussi, qui est super, mais bon, c'est une série hyper longue, donc je sais pas comment je vais faire, encore une fois. Après la pluie, une série complète, Seinen, que j'ai adoré. Museum aussi, qui est complet. Black Butler, franchement, c'est une série hyper longue, je sais pas comment je vais faire, bref. Sky High Survival, j'avais beaucoup. Ensuite, vous avez My Oh My Hero, le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, Psycho Bank aussi que j'avais beaucoup aimé. Parce que nos eaux pourrissent, non, jusqu'à ce que nos eaux pourrissent, j'avais bien aimé aussi. Assez bizarre, mais bon, voilà. Et les Son of the Evil, je n'ai toujours pas fini la série. Ça s'appelle un tough tome, j'avais bien aimé aussi. Donc voilà pour cette étagère. Ensuite là on va passer plus à du shoujo. Donc vous pouvez voir, il y a du Blue Spring Ride, du Au-delà de l'apparence, Love Be Love, Leave Be Left. Je n'ai toujours pas fini la série Sailor Moon alors que j'adore, mais bon bref, c'est pas grave. Ça c'est une série qui se termine en 9 tomes que j'avais beaucoup aimé. Kiss at Midnight aussi que j'aime bien, La Courtine des Dos. C'est des séries assez récentes tout ça. Que j'ai beaucoup aimé. Donc toujours Yuna Prince Globe, je suis toujours au tome 4. Voilà. Blackbird aussi, je suis au tome 3. En plus, c'est même pas mis bien. Voilà. Sister and Vampire, c'est bien sans plus. La Princesse la Bête, j'avais beaucoup adoré, mais je suis pas à jour. Voilà, donc là, il y a une petite coupe avec des fleurs de Sakura. Et là, vous avez encore une petite naine d'oroïde. Pas une naine d'oroïde. Hatsune Miku, voilà, en mode cute, mais en violet. Donc ensuite, je vais vous montrer derrière. C'est très fatigant, hein, faut pas croire. Hein, on enlève et on le remet. Bon, ensuite, on va passer à derrière. Donc là, c'est toujours du Shoujo Kana, Del Courton Cam, Panini. Donc voilà, Tel que tu es, Six of, Marine Blue, No Longer Heroine, The Switch Girl. Enfin ensemble, Desire Max, Awakoi. Voilà. Ensuite, là, on a Banal à tout prix. Akuma To Love Songs, Strub Edge.
Et puis là, vous avez la fameuse boîte de bonbons de l'animé que vous connaissez tous, du film d'animation que vous connaissez tous. Donc là, il y a encore des petites Asumiku roses et bleues, et puis une petite tasse cute. Donc là, vous avez les 12 tomes de Takaneyana, les Shiki Love, toujours, là c'est toujours du shoujo quoi, hein, Love Dilemma, Love Under Arrest, My Teacher Is Mine. Là vous avez les Anna no Shiare, Bye Bye Liberty, en haut la série un peu plus récente, Shake Me Up, Blue Flag, Deep Scar, voilà, ça je l'avais reçu en épreuve non corrigée. Donc voilà pour ce qui est ici, je vais montrer ce qu'il y a derrière. Alors voilà la suite, toujours du shoujo, bon là c'est un petit peu mélangé avec Josei et un peu Seinen. Donc voilà, les Moving Forward de Shiakata, ensuite là les presque tous mes titres de Shiakata qui sont là, qui sont juste excellents. Ensuite là vous avez des titres un peu plus récents, à part Last Note. Good Morning, Little Bayaro. Ensuite là vous avez plus les Soleil Manga. Donc voilà, je vous laisse regarder. Et là vous avez les Kazé, l'Arcane de l'Aube. Mais c'est une série assez compliquée à voir. Et puis là vous avez The Hell and the Fairy. Voilà pour là. Ensuite, là on passe au yaoi. Et en fait là j'ai fait une partie yaoi Teifu Comics, comment c'est quoi la maison d'édition, Azuka. Ouais, voilà, j'ai mis plus cela, et dans l'autre bibliothèque, j'ai mis les Boys Love de la collection Anna, etc. Donc voilà. Bref, donc voilà ce que vous avez. Vous avez les Blue Lust, les Treat Me Gently Please, là les Rainbow Nikkei, le reste est dans ma palle, My Number One, le tome 5 est dans ma palle, Yebizu, Celebrity, une série très très ancienne. Il me manque juste le tome 5, je crois, la série complète. Deadlock, une série, ça fait des années qu'on attend le tome 3, voilà. Indie Sword, j'ai la version toute belle là et tout, mais elle est toujours dans ma palle, voilà. Et j'ai pas pris le tome 3 dans cette version là. Vous avez les Ten Count, donc j'ai le tome 6 qui est dans ma palle. C'est des séries que j'aime bien, donc je prends mon temps pour les lire. Les Cast Even, donc là vous avez des petits trucs, hein, voilà. Des petites tasses cute, tout ça, donc je vais un petit peu enlever, voilà. Ensuite, Electric Delusion, je crois que c'est une série en 5 tomes, mais je suis pas trop sûre. Ikume and After, bref. Vous pouvez lire hein, ce qu'il y a. Les Kuroneko, les Crimson Spell et les Viewfinder. Le tome 9 est dans ma palle. Et le tome 6 de Crimson Spell est dans ma palle aussi. Voilà pour cette étagère. Ensuite, désolée si je bouge un peu trop. Donc vous avez les Void. Les Void, n'importe quoi, le One Shot Void, j'avais beaucoup aimé, la couverture est très belle, voilà. Ensuite les Norequal, bref, je vous laisse encore une fois, hein, là, je vais pas parler, hein. Vous pouvez voir vraiment des séries que j'aime beaucoup. Donc là les autres séries de Rito Takarai qui sont là, et ça en fait c'est plus, ça c'est une autre édition, c'est Samji Totally Captive, le reste de la série qui est terminée en 6 tomes est dans ma palle. Donc voilà pour cette partie de la manga tech que vous voyez à chaque fois en fond dans les vidéos. Ensuite là vous avez plein de petites boîtes de figurines etc que je laisse pour ensuite les ranger. Là c'est vraiment un gros bordel parce que là il y a vraiment des livres. Derrière il y a tous mes classiques, il y a tout ce que vous voulez. Voilà. Là je vais juste enlever là parce qu'il y a un petit côté manga. Voilà, donc là vous pouvez voir qu'il y a les Manhole, Pandora Earth et les Fairy Tail. Voilà. On passe très vite parce que Alors là vous avez encore une autre partie, c'est au-dessus de mon armoire donc c'est encore haut.
Vous pouvez voir le Davis Line, les titres de Ilya Sano, les MPD Psycho derrière. Franchement, c'est trop dur pour que je vous montre derrière. Mais attendez, on va enlever ça. Et en fait, voilà, vous avez des œuvres de Ilya Sano qui sont là derrière. Là, vous avez. Oulala, c'est compliqué, franchement. Les Lovely Complex. Voilà, tous les Lovely Complex sont derrière. Je vais pas les sortir parce que franchement c'est trop haut et c'est fatigant. Ouh. Ensuite, oh mon dieu, là vous avez la version des 20 ans de Carpenter Sakura, Josei, la Let's Get Married, Lollipop, et derrière ce sont tous mes Anayo et Dango. Vous pouvez voir, voilà, tous mes Anayo et Dango sont derrière. Flemme encore d'enlever tout ça parce que c'est trop dur. Ensuite, on va passer à cette. Ouf! Franchement, c'est pour ça que je retardais à chaque fois de faire la vidéo manga tech. C'est vraiment pour ça parce que c'est fatigant. Bref, donc là vous avez cette partie là de bibliothèque, enfin, de mangathèque, j'en peux plus, je dis n'importe quoi. Plus il fait chaud. Bref, donc on va commencer tout en bas. Donc là, vous avez beaucoup de séries de chez Kaze, beaucoup de séries de chez Maki and Joji. Vous avez les Tsubaki Love et les Courage Nako. Derrière, donc là, encore du Maki and Joji. Derrière, vous avez. Oh là là. Franchement, la flemme. Là, les chocolats et vanilla. Là, c'est les Black Prince et White Prince, là, je crois. Ah non, Black Wolf Girl and Black Prince. Voilà. Là, vous avez quelques titres. Vous pouvez voir. Voilà. Et là, vous avez toute la série qui est là. De Black Prince. Donc là vous avez vu la différence, là ceux-là ils étaient au soleil. Donc voilà pourquoi ça jaunit comme ça. Bon, je rangerai après, la flemme. Alors ensuite là vous avez tous les Say I Love You, la série Body, les séries anciennes là, Plaire à tout prix. Derrière vous avez Lui ou Rien de Yu Watase. Voilà, c'est une série aussi ancienne. Là, vous avez une série un peu plus récente, donc c'est Romantic Memories qui se terminait. Et derrière, vous avez les Daytime Shooting Star. Voilà, les Five. Et c'est tout, je crois, ouais, les Five. Ouais. Et il y avait cette petite pop qui est tombée, la pauvre. Ensuite. Encore du shoujo, donc là vous avez les Library Rose, les Full Moon, Marmalade Boy et Kaffir's Love, donc c'est des séries aussi anciennes. Derrière vous avez encore des séries anciennes. Et encore anciennes. Vous avez des séries de la maison d'édition Soleil Manga. Rose and Wolf, j'aime beaucoup. Et là, c'est Gakuen Daoji qui est super. Ensuite, là, vous avez les Yaoi de la. Par contre, c'est la maison d'édition Boy Love. Donc là, c'est la collection Anna. Donc là, j'ai mis vraiment mes coups de cœur que je vous recommande. Celle-là, là. Cette série, je vous la recommande à mort. Ensuite, vous avez une petite figurine de Pan. Derrière aussi, des super séries que j'ai beaucoup aimé. Bon, après voilà, vous avez plein de titres derrière. Voilà, ensuite on va monter en haut. Vous avez des petites figurines qui sont ici. Là c'est les Omegaverse que j'ai adoré. Boys Love encore, Omegaverse. Et ensuite là vous avez plus la collection des Boys Love à 4,99€ quoi. Voilà. Ensuite là on monte, on va passer à du seinen. Voilà, donc les fleurs du mal de Shōzō Shimi,
dans l'intimité de Marie et Happy Mania. Alors voilà, derrière vous avez les oranges, des one shot et de la maison d'édition Akata, voilà, des what the fuck, etc. Là vous avez Crown. Ensuite, en haut, tout en haut, vous avez les Redev, là c'est du seinen aussi, le Redev Turquet, série excellente. Ensuite les assassins, bref, prophétie, etc. Double jeu. Et derrière en fait ce sont tous mes Fullmetal Alchemist. Voilà, je sais pas si vous allez voir mais je peux pas aller plus loin, hein. C'est tous mes Fullmetal Alchemist qui sont derrière. Donc voilà pour Cette bibliothèque qui est ici. Où la plupart sont des séries terminées en fait. Et puis là vous avez un peu toutes mes figurines qui sont entreposées. Donc je vous laisse regarder. Il y a un peu de tout. Voilà. Ensuite là vous avez mes coffrets. Là il y a mon coffret derrière collector de Psychopass. Et vous avez les Fullmetal Alchemist Brotherhood, Nana. C'est des séries que j'aime trop donc je les ai mis en avant. Ensuite vous avez les pop des Fullmetal Alchemist. Des petites Alors là encore des petites figurines. Là vous avez les Nana. Donc ça c'est Ibi qui me l'avait envoyé. Donc merci encore Ibi. Là vous avez quelques petites figurines qui sont là. Et là vous avez une autre genre que j'avais reçu du monde de Taï. Donc Raphaël, merci beaucoup. Voilà, donc c'est une Sailor Venus. Donc voilà. Ensuite ici vous avez encore une petite pop qui est juste magnifique d'Alphonse. Et ensuite ben là vous avez des Stick and Rod de Sailor Moon. Voilà. Avec bien sûr toujours des livres qui sont derrière. Et voilà en gros pour ici. Ensuite en bas. Donc là ce sont des petites figurines de Sailor Moon. Là c'est un petit truc poudre là. Enfin trop cute. De Sailor Moon. Là derrière vous avez. Enfin il y a Sailor Moon mais il y a aussi là c'est quoi. Et puis derrière vous avez des Lucky Charms, enfin je sais pas comment on dit ça exactement. C'est des sortes de porte-clés, voilà, qui sont derrière. Et là vous avez une petite naine dorée de Sakura qui est cachée. Et bien sûr t'as des guerrières qui sont tombées de Sailor Moon. Bref, donc voilà. Puis là un petit truc cute. Là vous avez ma petite armée de figurines, tout, un petit peu de tout, voilà. Donc là c'est... Oh, j'ai oublié d'éteindre le ventilateur. Donc j'ai éteint le ventilateur parce que bon, on n'entendait rien je pense. Et là voilà, vous avez des petites figurines, Nekopara, là c'est de Re:Zero, Arale, Trunk, Bulma, Hatsune Miku et comment elle s'appelle, Asuna. Voilà. Ici, ensuite, on descend et là en fait vous avez les animés. Donc par contre ce sont plus les films d'animation. Ensuite là vous avez des dramas. Là c'est en VO sous-titré français. Là vous avez la deuxième saison de My Hero Academia, Seraph of the End, les deux versions là. Là les dramas. Derrière vous avez encore des coffrets. Bon franchement j'en ai beaucoup donc voilà. Ah oui, j'ai deux versions de Full Metal Alchemist. Là c'est la version normale et la version Brotherhood. Et là, là vous avez deux films là. Un avec Dio parce que j'adore Dio. C'est quoi ça? Ah c'est une carte qu'on m'avait envoyée. Voilà. Et la Ninja Assassin que j'avais adoré. Je l'ai vu plusieurs fois et c'est avec Biren. Ensuite derrière. Voilà, vous avez encore des dramas. Et... Voilà, on va pousser comme ça, je vais enlever tout. Et là, vous avez un peu de tout. La première saison de My Hero Academia, Enfer et Paradis, Momo Shimichan, oui, parce que j'ai plus la place pour ranger tout. Donc voilà pour là. Ensuite, là, c'est toujours des coffrets. Toujours des coffrets manga, hein, enfin animé. À part là où c'est plus de Marvel, mais je sais pas ce que ça fout là. Bref, voilà. Donc vous pouvez voir ce qu'il y a à peu près. Et derrière c'est plus des anciens animés en fait. En attendant en même temps je range là parce qu'après franchement j'aurais trop la flemme encore de ranger tout ça. Donc voilà, en gros il y a ça. C'est vraiment des anciens coffrets et tout.
voilà, chocolat et vanille, etc. Voilà, dans tous les cas, je ferai. J'avais déjà fait une vidéo sur la collection Mangatech et tout. Donc, je vous mettrai le lien. Pas Mangatech, Vidéotech, etc. Ensuite, là, en animé, ben là, vous avez Sakura et le drama Anna Yuri Dango. Et là, vous avez plein de séries en fait. Derrière, il y a plein de séries et là, il y a plein de films. Et derrière. Voilà, en gros, qu'est-ce qu'il y a comme film, et derrière, il y a encore d'autres films et d'autres séries, genre True Blood, Newport Beach, etc., etc. Donc, je traîne pas là-dessus, j'avais fait une vidéo de il y a quelques mois. Là, on va ouvrir là, parce qu'en fait, en haut, là, voilà, il y a quelques petits DVD que je voulais vous montrer. Donc là, il y a un peu de K-pop mélangé à... voilà, un peu de K-pop mélangé à des animés, donc voilà, vous pouvez voir, il y a Sayori, il y a Love Stage et il y a les X de Clamp qui sont là. Et ensuite, là, vous avez un petit poster des EXO, mais par contre, voilà, là, c'est ma palle. En fait, c'est ma palle, mais en même temps, il y a des livres que j'ai déjà lus. Donc, voilà. C'est vraiment un gros bordel. Hein. Il y a du mélangé à du lu et du pas lu. Voilà, il y a vraiment, et derrière on a beaucoup encore. Donc voilà, je vais pas encore vous montrer tout ça. Là, c'est des mangas que j'ai acheté récemment, mais derrière en fait il y a tous mes trucs de K-pop. J'avais fait, bon là, vous avez une petite partie, voilà. Et là, il y a une autre partie, mais j'ai dû les ranger là. Et là, vous en avez encore. Voilà, vous avez plus des gros livres, des mangas là et des livres normaux. Voilà. Là, c'est les mangas que j'ai reçus récemment. Là, j'en ai d'autres mangas qui sont là. Il y a des mangas un peu partout. Là, il y a des mangas là aussi. Voilà. Et puis là, c'est un mélange de lu et de pas lu. Donc voilà, j'ai terminé pour vous présenter ma Mangatech. Donc voilà, ça a été un petit peu brouillon, mais bon. Je l'ai fait enfin. Donc l'année prochaine, je ferai, mais j'essaierai de faire ça un petit peu mieux. Donc j'espère quand même que cela vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo quoi. Bye.